Salut à tous et bienvenue sur Crusader Kings 2, c'est Mickey. Donc un nouvel épisode donc, de la saga islandaise où je pense qu'à cet épisode on va enfin créer l'Empire de Scandinavie. Enfin. Donc là en vrai il me manque peut-être 2-3 comtés maximum. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais déclarer la guerre à lui. À la Poméranie. Je pense à Meria aussi. Donc, Meria est en guerre. En guerre contre Vibetsk. Et je crois que ça va saigner. Donc. Allez. Blekinge, c'est déjà le cas. Revendication de jure sur Agdir. Alors. Ah. Perte de 500 de prestige direct. Oh, dur. Alors que si jamais je passe par un truc plus tranquille. Non, je pars pas de prestige. Ok, bah. Donc je vais attaquer Agdir seulement. Voilà. La Poméranie, lui, je vais carrément lui faire de l'assujettissement. Déclarer la guerre. Assujettissement. Pourquoi ils veulent pas? L'ennemi est bien trop faible. On s'en fout de la gloire à un moment, hein, les mecs. Hein. Donc. Meria, déclarer la guerre. Bon, Usima. Non, conquête de... Ouais, on va faire une conquête. Voilà. Et pour finir, peut-être la Carélie. Je me tâte encore un petit peu. Alors. Les vassaux. Bon allez, on va essayer quand même. Il y a le temps de proposer une vassalisation, évidemment ils veulent pas. Déclarer la guerre, assujettissement. Ils veulent pas, ils commencent à me gaver. Pourquoi tu veux pas toi? Tu as une faveur à Skuld, machin. On va déjà essayer ça dans un premier temps et voir ce qu'il en est. Attends, Finnmark, viens là toi. Appel aux armes. Hop. Et je crois que toi t'es en guerre contre qui? Contre Scan. Appel aux armes. Hop, voilà qui est fait. On va voir qu'est-ce qu'on est, qui on a comme commandant digne de ce nom.
Ok. Ma femme est enceinte, très bien. Hop et hop. Je sens qu'on va jouer au chat et à la souris. Déjà, je lui ai fait très très mal. Encore une fois, où je me sens fatigué comme si j'étais sur le point d'aller dormir. Je dois faire quelque chose pour mon manque d'énergie. Hop, tu vas prier. Très bien. Hop. Reclus dans ma caverne, j'ai subsisté en mangeant des racines sacrées et en buvant des jus amers préconisés par les raids. C'est par ma volonté que mon esprit se meut. Il est temps de boire moins de bière. J'ai pris la résolution de devenir un meilleur homme. Voilà. Knut, voilà. Que Odin soit loué pour notre bonne fortune. Offrir la paix, oui. Donc voilà qui est fait. Nombre limite de vassaux. Il m'en manque combien encore? Il m'en manque un, je crois. Donc, du coup, on est parti. Freddy Rolfson. Ok, donc il n'y a rien qui lui va parce qu'elle a espiègle. Alors, est-ce qu'on peut... Oui, on peut toujours déclarer la guerre. Et non, ils ne veulent plus. Déclarer la guerre. Marienbourg, Memel, Oppland. Toujours pas. Alors, Taïk semble adorer ranger et compter les choses.
intelligence, patience. Hop, un bout de nerf. Votre intérêt pour les études religieuses a été remarqué par tout le pays. Ok, c'est qui ça? Ok, d'accord. Donc. Toujours pas. Ok, toi je crois que tu veux... Je vais déclarer la guerre même s'ils sont pas contents. Bon, bah, c'est pas grave. Déclarer la guerre. Assujettissement, pas tant qu'à faire. Hein. Non, parce que le problème c'est dès qu'il va être en guerre avec la Pologne, ça va être la merde. La Pologne il est gros comment maintenant. Quelques. Juste. Hop. Déclarer la guerre. Grosse landette. Conquête de Hollande. Mais tant pis, ici, le. Allez, ils sont insatisfaits. Pour 2 ans, sérieux. Hop, toi non. Voilà, très bien. Voilà, donc 3. Thank you.
Donc. De Scandinavie, enfin. Nomination d'un successeur, ça va être... mon fils Tyke. Voilà, enfin. Notre empire germanique. Donc, je vous proposerai d'être la vassalisation après. Donc, un maître espion. Jarl de Scan, Jarl de Vibor. Conseiller, Jarl de Scan. En maître espion, Jarl de Zialand. Alors, je suis roi de Suède, du Danemark, de Norvège. Et de je sais pas quoi. De Nordrique. Donc, bah voilà qui est fait. Hop, toi. Très bien. Une menace pas très grande en plus qui plus est. Tente de Borga. Très bien. De toute façon, je vais tout refiler à toi. Ou à toi. Cordier à titre foncier. Milan. Jeffrey de Milland. Voilà qui est fait. Voilà. Ah, je viens de déverrouiller un nom. Ah ouais. Je l'avais jamais fait. Allez-y, formez un pacte si vous voulez, parce que ça a changé. Alors maintenant, on n'est plus très loin. Hein. Il faut 700, bon, il faut 750 de piété, c'est pas pour aujourd'hui. J'ai 49 ans. Hop. Les tribales x1 x2. Hop, 3. WF flotte 27. Hop.
tu vas là. La guerre si j'ai levé l'armée. C'est ça l'armée, hein, on est d'accord. Enquête de Kurzem. Bon, en fait, ils vont être contre moi à chaque fois que je vais faire quoi que ce soit, en fait. Alors, indépendance, le Jorvik, dit. C'est bien. Par contre, il est simplet. J'en ai marre d'avoir des simplets. Hein. Je commence à me gaver un peu. Hein. Ok. Demandé de me débarrasser d'un des courtisans. Tu vas rester mignonne, hein, sans vouloir t'offenser. Hop. Ah, ça c'est un bâtard. Hop. Titre mineur. Lever une armée tribale, non, non. Royaume de Finlande, dis-tu. Ouais, par contre, ça coûte cher. Alors, il me semble que machin. Contraindre le vassal, ça pourrait être pas mal. Ok. Fait l'acquisition d'une œuvre, les confessions de Saint-Augustin, constituée de plusieurs tomes, machin. L'étude de cette monographie pourrait fournir des indications qui permettent d'étoffer vos connaissances. Allez, d'accord. Cet ouvrage contient de nombreuses vérités. Très bien. Okay.
forger une alliance. Ok, très bien. C'est bien, bien fait pour toi. Hop là, nickel. Donc ça, ça m'appartient maintenant. Donc, je possède tout le duché d'Ostlandet. Et maintenant, il va falloir que je récupère petit à petit. Je sais pas trop comment je peux faire. Je sais pas trop comment faire. J'aimerais bien qu'on reprenne l'intégralité du duché de Suède, de Svitbor. Mais je crois que ça va être plus compliqué que ça. Est-ce que je peux l'emprisonner parce que... Non. Alors, est-ce que je peux l'emprisonner? Non. Freya. Pourquoi elle veut me faire assassiner, elle? Bon, toi, tu vas arrêter tes conneries. C'est contre qui? Tu es le Yard de... Oh. Hop. Donc maintenant on est pas mal. L'objectif, et on en est plus très très loin. Je pense que je vais aller piller le maximum que je peux de temples et ce genre de choses. Histoire de faire monter l'autorité morale. Parce que avant que j'atteigne les 750 de piété, je crois que c'est pas pour tout de suite. Alors, étudier une technologie toujours à Constantinople, 15-17-17.
en est où ça? Ok, il gagne pour le moment. Bon, c'est quoi? Je vais te mettre un rappel sur la tête. Voilà. Très bien. Ensuite, la Carélie. Quand est-ce que je peux déclarer la guerre? Assujettissement. Purée, il commence sérieusement à m'énerver. Ils sont pas contents jusqu'à quand encore? Jusqu'au 2 décembre. Ah ouais. Bon, on va attendre là. Je vois qu'en prenant de l'âge, Gila pourrait mettre profit, blablabla. Seront perdus lors de la succession. Ouais. Ok, donc 14 décembre. Très bien. Et ils sont toujours pas contents. J'ai des guerres plus importantes à mener pour le moment. C'est quoi vos guerres? Toi t'as rien. Déclarer la guerre. Je suis pas contre l'Irlande. Ok, bah, va falloir attendre. Poser une vassalisation. J'ai un rang royal, mais je t'emmerde. Hein. Déclarer la guerre. Je t'assujettir cette vie du. En gros, toi t'as quoi toi? Royaume d'Écosse, mais en. Ouais, en fait, t'as juste le comté de Man quoi. Royaume de Finlande. Non, non. Alors, où est-ce qu'on en est? Légalisme. Majesté. Infrastructure religieuse. Citadine. Pratique commerciale, parce que je vais pas tarder à créer une république. Ok, et
Bon, bah du coup, là je suis empereur, donc du coup, bah je vais aller piller un petit peu partout, surtout des temples. Prochain objectif, c'est d'atteindre 750 de piété. Et est-ce que j'ai la possibilité? Qu'est-ce qu'il y a actuellement en dessous? Alors, qui est-ce que je peux... Qui est germanique, qui est sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Religion cathare. Toute façon, personne n'est content. Ok, bon. Bah du coup, ce sera tout pour cet épisode-ci. Donc merci à tous d'avoir suivi et j'espère vous retrouver pour le prochain. Salut à tous!